Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdoulilah, 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 alhamdoulilah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts. Afin d'être auprès d'Allah, voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des anges. Les chers enfants, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges de lumière. Ils ne mangent pas et ne boivent pas non plus. Ils ne sont ni femelles, ni mâles et sont seulement chargés d'accomplir les ordres d'Allah. Ils écrivent toutes nos bonnes actions dès que nous avons l'intention de les faire. Ils écrivent aussi les mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala donne des cadeaux à ceux qui accomplissent le bien et des punitions à ceux qui font le mal. Lorsque l'on se couche dans notre lit pour dormir après avoir pris nos ablutions et récité nos invocations, les anges font des invocations en notre faveur et Allah nous protège de tout mal. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Abdullah et de sa peur du noir. Abdullah pensait aux anges dont il avait appris les noms en cours. Quelle belle chose que d'être entouré d'anges qui nous protègent! Maintenant, il n'était plus seul face aux bruits et formes bizarres qu'il voyait la nuit. De plus, il n'avait plus besoin de rentrer dans le lit de sa maman pour dormir avec elle. De suite, il enfila son pyjama, se brossa les dents, prit ses ablutions et se coucha sur le côté droit en récitant l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika amutu wa ahya. Oh Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis. Allahumma bismika amutu wa ahya. Oh Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis. Allahumma bismika amutu wa ahya. Oh Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis. Sa maman s'écria: Abdullah! Abdullah ne lui répondant pas, elle entra dans sa chambre et vit qu'il était couché. Au départ, elle crut qu'il essayait de la tromper. Elle le chatouilla donc, mais il ne riait point, car il dormait. Alors que d'habitude, il faisait tout son possible pour ne pas dormir. Ce jour-là, sa mère dit: « Mon cher Abdullah a grandi. Dorénavant, il dort tout seul. Que je l'aime. » Allez les enfants! Nous aussi, récitons l'invocation du sommeil comme Abdullah et voyons qui dormira. Allahumma bismika amutu wa ahya. Oh Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis. Répétons encore une fois, les enfants. Allahumma bismika amutu wa ahya. Cette invocation de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rapportée par Al-Bukhari. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ali Imran verset 125: mais oui, si vous êtes endurant et pieux et qu'il vous assaille immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Parmi les anges, il y en a quatre qui ont une grande importance. Jibril, Mikaïl, Israfil et Malakul Maut, c'est-à-dire l'ange de la mort.
Djibril transmet la révélation au prophète, Mikaïl s'occupe des événements naturels, Israfil soufflera dans la trompe le moment venu, et enfin, Malakul Maut prend l'âme des gens pour la rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Répétons encore une fois, les enfants. Djibril transmet la révélation au prophète. Mikaïl s'occupe des événements naturels. Israfil soufflera dans la trompe le moment venu. Et enfin, Malakul Maut prend l'âme des gens pour la rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, nous avons terminé notre cours d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne plus rien rater. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents. À très prochainement, Inch'Allah.